Je crois simplement qu'aujourd'hui, c'est plus dur pour nous par rapport à la génération de nos parents pour plusieurs raisons. D'abord, avec la chute du mur de Berlin, les différents repères identitaires sont moins nets qu'ils l'étaient avant pour s'engager. Ouais. Et ensuite, je crois aussi que le fait d'aller voter et de se rendre aux urnes, il faut le corréler avec le moment où on entre dans la société et où finalement on passe du jeune au jeune adulte, on va dire, qui a un emploi, qui travaille et qui donc se sent actif dans la société et veut y contribuer. Or aujourd'hui, on a 23% de chômage chez les jeunes, 40% dans certaines banlieues. C'est beaucoup plus compliqué de se sentir investi dans la société et de pouvoir contribuer. Mais je ne crois pas que les jeunes soient dépolitisés, absolument pas. Les jeunes, je pense, ont plus de convictions que jamais. Ouais. Et on les a vus dans la rue au moment du CPE, on les a vus dans la rue au moment de Jean-Marie Le Pen au second tour. Est-ce qu'il ferait un bon politique ? Moi, je voterai pour lui. J'ai dit Gabi président. Président. C'est lui le futur président ? C'est lui le futur. Ouais. Donc ces images valent très très cher. Il nous a déjà attribué des fonctions. Ah ouais, on a déjà des fonctions. C'était pas au courant.